Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film documentaire The Armstrong Lie de Alex Gibney, sorti en DVD chez Sony Pictures le 11 février 2014. Le film fait le pont entre le moment où Lance Armstrong se défendait d'avoir consommé des drogues pour mieux performer et où le mensonge et tout ce qu'il implique ne soit dévoilé. On suit Armstrong avant et après dans deux moments de sa vie et de sa carrière. Il est important de préciser que même ceux qui ne sont pas du tout spectateurs de sport, comme moi, pourront être intéressés par le visionnement de ce film. The Armstrong Lie n'est pas un film sur le cyclisme en tant que sport, c'est un film sur le mensonge. Le film tente non pas d'excuser le geste de Lance Armstrong, mais plutôt d'expliquer les mécanismes contextuels, externes et internes du mensonge. Ce qui est assez intéressant est de voir qu'à travers cette explication des choses, on tente aussi de mieux comprendre ce qui pousse parfois les gens à mentir sur des parties importantes de leur vie. Lance Armstrong nous ment parfois en plein visage, et pourtant même en sachant la vérité, il est impossible de voir la moindre hésitation dans ses affirmations. Au contraire, c'est quand il commence à dire la vérité, et même un peu avant, quand il commence à la penser, qu'il devient hésitant, moins sûr de lui. Tout au long du film, on commence à déchiffrer le personnage Armstrong. Sans nécessairement s'attacher réellement à lui ou à comprendre ses motivations, mais plutôt à comprendre comment il fonctionne. Quels sont les liens qui se sont faits dans sa tête pour justifier ses actions? Quelle pression il a eue? Jusqu'où il pouvait croire lui-même à son mensonge? Bref, c'est plus la psychologie du menteur supportée par des groupes, par l'argent et par une culture sportive qui semble dans un dérapage complet quand on regarde le nombre de sportifs qui ont été dépouillés de leur titre pour la même raison qu'Armstrong. Sur la forme, il faut être un peu attentif à certaines scènes pour bien les situer dans la temporalité linéaire. Les images vont sauter du passé au présent pour mettre en relation les deux versions d'Armstrong. Malheureusement, ce procédé est parfois quelque peu mélangeant. Le film est présenté en format d'image 1.78, en anglais Dolby Digital 5.1 avec les sous-titres en anglais, chinois, coréen, portugais, espagnol et thaï. Dans les suppléments, on retrouve des commentaires d'Alex Gibney, des questions-réponses d'Alex Gibney, Frank Marshall, Bill Strickland, Jonathan Vater et Betsy Andrew, ainsi que des scènes retirées. En conclusion, je dirais que The Armstrong Lie fait la lumière non seulement sur un événement sportif ou sur un menteur, mais aussi sur un pan plus difficile d'accès de la psychologie humaine, cette partie que l'on cache à tout le monde et pour laquelle on peut mentir. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.